C'est l'économiste Guillaume Menuet qui est avec nous, spécialiste de la zone euro, des banques centrales également chez Citigroup à Londres. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler de l'économie américaine avec vous. Le consensus a toujours tort, dit-on. Là, il s'est vraiment complètement trompé, notamment sur les chiffres de l'emploi pour janvier aux États-Unis. Vous avez pu, j'imagine, regarder un peu le détail de ce rapport mensuel. Est-ce qu'il y a quelques nuances à apporter ou est-ce que véritablement il n'y a rien à acheter ? Non, il est plutôt bon partout. Je pense que l'un des facteurs déterminants a été la météo plutôt clémente aux États-Unis sur le mois de janvier, qui a certainement permis d'avoir des chiffres du baisse de chômage un peu plus importantes que prévu. Alors, lorsqu'on aura eu les chiffres de février à la fin du mois prochain, on pourra peut-être faire la moyenne entre les deux et se rendre compte que tendanciellement, de toute façon, l'économie américaine commence l'année 2012 de façon plutôt positive. Ça se confirme avec l'ISM des services, là aussi, pour janvier, qui ressort quasiment 4 points au-dessus des attentes. Oui, absolument. C'est là aussi qu'on peut se demander s'il n'y a pas un petit effet météo, car on a vraiment une augmentation très importante de près de 4 points au niveau de l'activité économique par rapport au mois de décembre. Donc ça confirme un petit peu la tendance qu'une économie américaine qui aujourd'hui dispose d'un soutien monétaire absolument total, parce que la Fed est quasiment à zéro, avec des réinvestissements sur la partie longue de la courbe de taux, et avec une politique budgétaire et fiscale qui est maintenant un peu plus favorable, puisqu'ils ont étendu pour quelques mois encore les baisses d'impôts, eh bien les économies réagissent au degré de stimulus. Bon. Mais vous dites, attention, dans ces chiffres, il pourrait y avoir des effets non récurrents, parce que c'est vrai qu'on a tout de suite envie de se dire que le premier trimestre, les États-Unis vont nous sortir une croissance de plus de 2%, là, quand on a des chiffres comme ça. Ah oui, absolument. On s'inquiète un tout petit peu quant à la vélocité de la hausse sur le mois de janvier. Elle semble un petit peu hors norme. Donc il va falloir prendre des précautions. Mais de toute façon, l'année américaine de 2012 s'annonce plutôt prometteuse et plutôt bonne pour M. Obama. Bon, des chiffres qui dopent les marchés, Guillaume. Et pourtant, ce sont des chiffres qui ne plaident pas pour un nouvel assouplissement monétaire, assouplissement quantitatif de la part de la Réserve fédérale américaine. Si ça continue comme ça, est-ce que la Fed pourra justifier le nouveau QI qu'elle est en train de préparer? Je ne pense pas qu'ils vont se focaliser sur des chiffres mensuels en termes d'activité économique. Il y a encore une grande différence entre l'état de l'économie observée et son état potentiel. Donc on a un output gap important qui fait que la Fed va rester accommodante pendant au moins quelques années. Je pense que lorsqu'ils ont émis pour la première fois des hypothèses de croissance à long terme et de projection sur leur taux directeur, le consensus était quasiment unanime sur le fait que la Fed resterait, au niveau des gouverneurs de la Fed, resterait stable à 0,5% sur les deux années qui viennent. Guillaume, on revient sur l'Europe avec les conditions de crédit. On avait cette enquête il y a 48 heures menée par la Banque Centrale Européenne auprès des établissements prêteurs, des grandes banques de la zone euro. Alors on ne sait pas d'ailleurs si ça vient des banques, le durcissement de ces conditions de crédit ou aussi, qui a effectivement peut-être une demande moins importante, moins forte des consommateurs et des entreprises. Toujours est-il que ça reste très très compliqué là. Oui, effectivement, on voit la matérialisation d'un ralentissement du cycle des crédits. C'est évident depuis maintenant 2 ou 3 mois. On a eu au quatrième trimestre la baisse la plus importante jamais enregistrée en termes des prêts nets distribués par le système financier en zone euro. Le tout étant équivalemment réparti entre les crédits immobiliers et les crédits aux entreprises financières. Donc on va avoir de toute façon, je pense, une période d'activité économique extrêmement faible dans le premier semestre d'année 2012. Certains pays seront clairement en récession, d'autres en auront une extrêmement faible, car fondamentalement, les mêmes problèmes ne sont pas forcément évidents partout. Bon, est-ce que le nouveau discours de la Fed, garder des taux au plancher jusqu'à fin 2014, est-ce que ça va faire bouger la Banque Centrale Européenne? Est-ce que ça complique un peu la donne pour la BCE à court terme? Il y a une réunion, bien sûr, la semaine prochaine, jeudi prochain. Guillaume, quelles sont vos anticipations là chez Citigroup sur cette réunion de la BCE? Est-ce que pourrait annoncer Mario Draghi?
Rien en ce qui concerne les taux à court terme, rien non plus en ce qui concerne les injections de liquidités, puisqu'on a déjà un deuxième 3 ans prévu à la fin du mois de février. Donc pour l'instant, la Banque Centrale est en mode d'attente. Elle va attendre de voir un petit peu la tendance sur les indicateurs cycliques pour savoir quelle est l'étendue des dégâts sur le premier trimestre, avant éventuellement, j'imagine, de baisser les taux encore une dernière fois sur le deuxième trimestre. Mais si on a comme prévu, des risques légers d'augmentation de l'activité économique en termes séquentiels par rapport au niveau du Q4, eh bien, il est probable que la BCE va rester à 1%, hein, tout simplement, qui était le plancher des plus bas d'avant la crise. Ouais. Merci Guillaume d'avoir été avec nous cet après-midi. Guillaume Menuet, économiste chez Citigroup. Bilan de la semaine avec, comme chaque vendredi, Philippe Béchat, Cercle Finance. Bonjour Philippe. Bonjour Grégoire. À vos côtés, Stéphane Sauduteil, trader, responsable du site technibourse.com. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégoire, bonjour Sébastien. Un mot peut-être de cette séance d'abord avant de parler de la semaine. Là, Philippe, cartonne aux États-Unis. Là. Ah oui, ça y est. Là, c'est... on a les chiffres que personne n'espérait. Vous n'allez pas nous gâcher la fête. Non. On sera pleinement rassuré lorsque la durée hebdomadaire de travail commencera vraiment à progresser. Bon, lorsqu'on aura aussi une vraie décrue du nombre de sans-emploi, donc ça n'a pas tellement bougé. Hein. En janvier, on est toujours autour de 15-10. Maintenant, on a des indices boursiers qui poursuivent le rallye. Je pense que le plus emblématique reste quand même Francfort. Puisqu'on en est là, on va clôturer une septième semaine de hausse consécutive. Le DAX a repris 1000 points depuis le 20 décembre, 1250 depuis fin novembre. Donc c'est soit 25% de hausse, soit plus 18. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a eu depuis le 20 décembre aucune consolidation, jamais. Pas plus qu'il n'y en a eu sur le S&P, pas plus qu'il n'y en a eu sur le Nasdaq, qui est au plus haut à l'instant, depuis le 10 décembre 2000. Voilà. Donc le marché, 2009, donc le marché n'est pas cher. Le Nasdaq est au plus haut historique. Il n'est évidemment pas cher. Donc il faut évidemment continuer comme ça, tranquillement. On s'est acheter. Parlé, Philippe, en début de semaine, avant de laisser la parole à Stéphane. Enfin, c'était off, hein, c'était pas à l'antenne. Oui. Et vous pensiez qu'on allait tout faire pour bien terminer janvier. Absolument. Et très clairement, votre discours, c'était en février, ce sera peut-être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Du coup, ça continue. Et puis, finalement. En empêchant jour après jour qu'il y ait la moindre consolidation ou amorce de consolidation, on arrive à ramener ce qui est le Graal aujourd'hui, hein, des spécialistes de la gestion mathématisée, c'est-à-dire le VIX, on a réussi à le ramener en dessous de 20. Si l'indice de la peur, la volatilité. La peur aux États-Unis. Si le S&P gagnait 5%, on reperdait 3, on regagnait 6, on reperdait 2, on aurait un VIX qui reculerait beaucoup plus lentement. Là, on arrive en lissant l'évolution des indices, et donc en se déconnectant totalement de la réalité quotidienne, on arrive à ramener le VIX sous à 15, les 20. Autour de 15. Autour sous de 17 même, on a ouvert, je crois, sous 17. Voilà. On arrive à ramener le VIX dans cette zone où le message implicite, c'est qu'il n'y a aucun danger, qu'il n'y a aucun souci macroéconomique, que tout est parfait. Le VIX est à 15 cet après-midi, moins 12%, il s'effondre. On était quoi, à 60 sous Lehman? À 80? Oui, enfin, mettons 50. Donc maintenant, c'est clair, tout est résolu, il n'y a plus de crise, il y a de la croissance en Europe. Voilà, il n'y a plus de danger. Le baromètre de la peur est au tapis. Stéphane, c'est du deuxième degré, hein, pour ceux qui connaissent pas. Stéphane Sauduteil, vos points techniques, effectivement, Wall Street, tout va bien? Effectivement, tout va pour le mieux jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'on s'était vu avec Grégoire fin d'année et j'avais en fait, par rapport au CAC 40, j'avais dit, bon, je pense que l'année, début d'année sera plutôt positif, qu'on peut étendre un peu le range dans lequel on évoluait entre 2007 et 2003. On pouvait monter sur le haut de range en fourchette max vers 3006. Bon, on n'en est plus très loin. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a deux niveaux très importants. Alors le niveau psychologique de 3400 points était un petit peu débordé aujourd'hui. C'est pas le niveau qui me semble le plus intéressant. Le niveau technique suivant le plus intéressant, c'est 3430, qui est ni plus ni moins un ratio de 50%. C'est-à-dire on a repris 50% du terrain perdu en 2011. Donc ça, c'est un niveau technique qui va être compliqué à déborder, surtout en plus par rapport à l'accélération haussière qu'on a eue cette semaine
une accélération haussière qui arrive contre un niveau technique, c'est toujours compliqué pour le déborder aisément. Si on débordait 3430, le dernier niveau, je pense, qui va probablement être testé et arrêté certainement pendant un bon moment, le CAC 40, c'est 3550, 3600 max. Donc moi, j'étais très positif plutôt en début d'année. Donc sur la gestion de Reactor 7, on était délibérément à l'achat. Reactor 7, c'est votre SICAV, oui. qui est bien orienté, hein, comme la plupart des fonds.